Bon, ça marche ou pas? Si, on est en ligne là, c'est bon. Alors, mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fous? Oh, bon, allez. Chargé. Je viens. Mais si, je suis toujours en ligne. Putain, ça me fait peur, ça me fait peur. Bon. Hop. Et oui, c'est ça que je veux charger alors. Je suis toujours en ligne ou pas? Mais putain, mais ça bug. Ça bug de partout, ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Si. On s'est arrêté ici. Alors si je me suis. Alors je sais plus ce qu'il fallait faire. Alors où est-ce qu'il faut aller? Ça marche pas? Moi je me vois en ligne moi, mais non. Si je vois la vidéo. Si t'es en live, ah bah oui, bah oui, bah oui. Oh, vous me faites flipper les gars, oh putain. Bon, c'est bon. Je sais pas pourquoi qu'il y a eu un problème. Un petit peu pour sauver Karn. Oh là, qu'est-ce que cette musique inquiétante. Ah oui, je sais plus qu'est-ce qu'il fallait faire là, il fallait. Il me faut un code, mais oui! Enfin, je sais plus, on va y retourner, mais il me fallait un code que je n'ai pas. Alors, je crois que c'était ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait sur nous? Objet. Non, pas du tout. Équipement. Fusil cross. On va prendre de la cocaïne avec nous. Puis vers Est-Est. Ah oui, ça veut tout dire. La salle qui veut tout dire. Ah oui, alors là, faut se dépêcher. Je dis se dépêcher. C'est-à-dire courir. Hop là. Voilà. Donc là, voilà, on a déverrouillé la porte. Donc salle des tests de stabilisateur. Ah oui, là, il y a un dino. Comment ça se fait que Korn a une voix de gonzesse maintenant? Encore un problème avec le live. Mais non, c'est ma voix naturelle, voyons. Mais j'ai même pas vu cet endroit-là hier. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, mais va là. Pourquoi? Bon, ok, elle veut pas. Il faut la clé puce niveau A pour ouvrir, ok. Elle est en train de manger dans le frigo, lui. Salaud. Merde. Que j'ai malheureusement zappé une partie du live. Putain, attends, j'ai ma fenêtre en fait qui gêne le chat, je vois pas. Je vais essayer de faire un récapitulatif des objectifs. Bah, en fait, là, je crois qu'en fait, on devait aller récupérer la carte pour aller au bloc C ou je ne sais quoi. On devait faire ça. Donc là, j'ai réussi à trouver la carte pour aller au bloc C. Donc là, il faut ouvrir un tableau. Mais le tableau, donc s'il faut l'ouvrir, il faut un mot de passe. Mais le mot de passe, en fait, je l'ai pas. Je l'ai pas. Non mais, va pas vers le dino, ça sert à rien de regarder. Donc je suis bloqué en fait ici, il me faut un truc pour ouvrir. Et le bloc A, j'ai rien. Il a fini avec la pucelle. Mais oui, j'ai fini avec la pucelle.
Allez hop. Il en manque un là, il me faut un dino en plus. L'autre il vient pas. Je l'entends mais... Ah si, ça y est. On va attendre qu'il soit synchro pour passer. Je crois qu'en fait ils seront jamais synchro. Ça y est. Donc là il me faut un mot de passe. Non 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 non. Voilà. Donc ici, je crois que là. Il faut la clé plus niveau A pour ouvrir. Que je n'ai pas. Ah oui, c'est la clé DSK. Alors c'est quoi ça? La DSK... De... Quelle DSK qu'il faut? Ah, la lettre D. Non mais je crois pas que je l'ai en fait. Ah si. J'ai une partie, je les ai pas toutes, mais j'ai une partie. Il me manque l'autre partie du disque D. J'ai la pucelle. Non, j'ai pas la pucelle, c'est la puce clé. Clé puce niveau C. Carte accès exécution, ça c'est bon, on avait déjà été. Mais si seulement le plan de l'objectif marcherait, ça serait tellement bien. Mais je comprends pas pourquoi ils nous disent le nord et le sud, ça sert à rien de savoir le nord et le sud dans ce jeu. Alors j'essaie vraiment de savoir où faut aller. Alors c'est par là, non? Regina avec ses chaussures de Robocop. On est où là? Ah oui. Ah oui, mais on n'est pas passé par un endroit. Donc la femme a la gorge écrasée, hein, ce qui est logique. As-tu sauvegardé le chemin? Non. Bonjour. Ça va qu'ils descendent pas les escaliers. Ils ouvrent les portes les dinos mais ils ne descendent pas les escaliers. On va savoir pourquoi. Voilà, on a donc les dinosaures de Mickey. Ah bon, bonjour. Non mais... Non, je me bloque. Je vais me bloquer là. Ouah. Oui. Ah bah voilà. Nous avons récupéré une cheville, ce qui est génial. On en a combien en fait là? Ah, on en a trois chevilles. Oh. Ah bah voilà. Balle thermique, qu'est-ce que c'est que ça? Balle de grenadeur, ah oui, de grenadeur, pas de lance-grenade. Lance-grenade n'existe pas dans ce jeu, mais putain, mais tu parles mon cul, y a aucune munition quoi, à part ça là. Toxico Give, j'ai des balles de trucs alors que je peux même pas m'en servir de ça. Donc ça, on va les laisser ici. Je vais prendre donc Toxico Give. Je vais prendre. Non, mais ça serait possible de. Non, mais voilà. Ça. Catalyseur. Catalyseur. Ils n'ont pas de vision stéréoscopique. Pour eux, un escalier signifie une chute douloureuse. Grenadeur. Grenadeur, qu'est-ce que c'est? C'est le lance-grenade. C'est logique, hein. Alors. On va faire donc la mixture. Je crois que si on lit ça avec un catalyseur, ça nous fait un truc. Ouais, voilà. Ça nous fait de la Mimikine plus. Est-ce que je peux la lier avec de la un autre catalyseur? Ça nous fait de la Medicaine.
tout simplement. Ça avec ça, ça fait quoi? La mini-caïne, pareil. Ça sert à rien. Donc j'en ai au moins je ne sais pas combien de la mini-caïne. Ah, mini-caïne et medicaïne. Putain, c'est pas pareil, putain. Donc là, ça fait de la medicaïne plus. Mais sérieux, quoi. Là, on relie ça, ça fait quoi? La medicaïne plus plus. Oh là là. Et la toxicogive, est-ce que je peux la mettre avec... Non. Cheveux rouges, Regina, non, ça peut pas être la même. Alors, bon alors, il faut aller dans la salle des tests de stabilisateur pour récupérer le code DDK. Ensuite, retourner dans la salle de stockage des pièces et utiliser les DDKD pour ouvrir. Ok, d'accord. Utiliser les clés V1 et V2, ouais, ok. D'accord. En fait, il faut juste que je trouve la salle des tests stabilisateurs. Je sais pas du tout où c'est que c'est, ça. On est sûrement passé, mais bon, vu qu'il y a rien qui est marqué. Putain, mais sans déconner, quoi. Lance-grenade est égal. Trop de caractères pour la boîte de dialogue, c'est ça. Ensuite, tu retournes au poste de commande tri-énergie et réseau de l'énigme qui s'y trouve. D'accord. Putain, mais ils sont violents, les mecs. Non, mais c'est bon, mais calmez-vous. Non, mais les mecs. Un par un, bien sûr. Ouh là là, non. Je sais plus du tout où c'est que c'est cette salle, on va essayer de la trouver, la salle de stockage de je ne sais quoi. Donc là on est au poste de repos, donc c'est quoi la salle des tests stabilisateurs, hein, d'accord. Donc là faut essayer de se dépêcher. Bureau des arrivées, c'est pas ça. Ici, est-ce qu'on peut aller ici? Bon, on va sauvegarder. Ah, quoique. La salle des tests stabilisateurs se trouve à la côté de la salle des tests elle-même. Se trouve près de la salle de stockage des pièces. Ah oui? Alors attends, stockage des pièces c'était où déjà? La salle des stabilisateurs se trouve à côté de la salle des tests elle-même. Se trouve à côté de la salle de stockage de pièces. Bah non, il n'y a pas moyen de savoir le nom des trucs, quoi. C'est pour ça que c'est complètement con. Enfin, c'est bien qu'ils disent où c'est qu'il faut aller, mais très honnêtement, le jeu ne nous dit même pas où faut aller, quoi. Plan. Voilà, plan. On a assez de recherche B3. En fait, ça marche par zone. Mais on sait pas, en fait, le détail des pièces, quoi. C'est tout. Et ça, est-ce qu'on peut aller dedans, ça? Plus loin, il y a un danger. Il y a danger. Ah bon? Bon. Bon, déjà, c'est pas ici. Alors, est-ce que ce serait pas vers la bouche d'aération? Non, mais c'est bon. Donc, on va pas aller par ici. Mais putain, mais je sais pas du tout par où aller. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh, oh, je suis un dinosaure avec des gants de Mickey. Bon, alors ton père, hop. Mais non, mais non, n'importe quoi. Putain, mais c'est pas vrai. Mais lève-toi, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Écarter les jambes par terre pour les dinosaures, là, espèce de zoophile. C'est la pièce dans laquelle tu as accédé.
Alors attends, si je me souviens bien, je crois que c'est par là, je crois. Attends. Bonjour. Est-ce que ça, je peux... Ah bah voilà. Comme ça, on est tranquille. Bon, on va se hisser, je crois que c'est par là, je crois, mais je suis pas sûr du tout. Franchement, je sais pas. Passage, inspection. Ah bah, putain, puis j'ai mon logiciel de maintenance qui me fait chier, là. Oui, je sais, c'est bien. Des problèmes dans l'ordinateur, bah je sais. Regina a mal au sein, encore une fois. Elle se touche le téton. Oui. Donc là, je sais plus où c'est qu'on va se retrouver. P vers Est-Est. Ah, c'est peut-être ça. Attends. Mais en fait, je retourne là. Ah bordel de cul, j'y comprends plus rien moi. Ah, salle des tests de stabilisateur, voilà. Alors attends. La pause. Pause. Voilà, pause. Putain, en plus j'ai envie de pisser subitement. Décale, une casse-couille. Avec les colonnes de couleur noire, blanc et rouge. Ah bah c'est ça au fait! Putain. Bon c'est pas ça, mais c'est. On n'y est pas loin, on n'y est pas loin. On va passer par là. Ouais, on va passer par là. Ça sera beaucoup moins risqué. Tu y étais, Corne, tu y étais. Ah bon? Merde! Bon alors non. Le DDK D? Mais le DDK, il y est pas? Le DDK D dans la salle des tests stabilisateurs. Il y a rien. En fait, il y a, enfin, il y a quelque chose, mais ce quelque chose, en fait, est bloqué par un code. Regarde. Tu vas voir. Je te montrerai. I show you a demo, comme dirait Yves Guillemot, qui parle très bien français. Qui parle très bien anglais, je veux dire, avec un très bel accent. Show you a demo. Je vais vous show you a demo. Vous allez voir. On y va tout doucement parce qu'il y a un dino. Là, le dino il mange des biscuits. Donc là en fait le seul truc qu'il y a c'est ça, salut Nico Stitch. Voilà, là il y a un truc, veux-tu te servir du tableau? Faut que je dis oui, et voilà, il me demande un code, mais je n'ai pas de code. Il faut que je trouve un code, mais j'ai regardé aussi sur moi hier, je m'en souviens. Et j'ai rien qui me dit qu'il faut un code. Enfin, j'ai pas de code en fait. Là, il n'y a pas de code. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Je crois que ce jeu essaie de nous rendre fous. Exact. C'est comme qui dirait. Je sais plus qui c'est qui a dit ça hier. C'était pas Dexter qui a dit le laissez-passer à 38. Référence à code. Ah bah nickel. Bah, on l'avait déjà utilisé celui-là, non? Référence à Astérix. C'est celui-là? C'est bizarre, il me semblait l'avoir déjà utilisé. Oui. 31. 41. Non, non, c'est. Ouais, celui-là on l'a déjà utilisé, Mouktouk. Ah. Ou alors. Ah bah c'est celui-là alors. 18. Non, 12, pardon. 81. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas ça qu'il nous faut! Oh là là, mais non. Bon, bah, on a un canon de fusil à pompe, mais.
C'est n'importe quoi. TF1 ou 3615 ULA. Le dimanche soir à minuit. Dans les pubs des séries érotiques. C'est le code pour l'ordinateur de la salle. Avec la gorge écrasée, ouais. Ça, j'en souviens. Là, on a un big peupon là, mais voilà. Mais après, il n'y a pas de. Bon, je vais tuer le dino. Ce qui me fait chier là, à manger là. Il se croit à la cantine là. Allez, viens là, salaud. Oh, ça fait mal. Oh la vache! Ah oui, là le pompe fait radicalement mal. Hein? Non mais, ton père le dino? Voilà, il est mort. On va pouvoir fouiller tranquillou. N'y a pas de disque au milieu de la table des plans. Conception de divers éléments. D'après les solus, la DDK est bel et bien dans cette salle. Bah, j'en ai déjà ramassé une, mais c'est une DDK, c'est pas la code, je crois, c'est le... Ah bah si. Nom de Dieu, on tourne en rond en fait alors qu'on a le truc sur nous. Bon, ok. Bon, déjà c'est bon ça. Ok, on a la DDK, c'était la DDK code qu'il fallait, c'est bien ça. La salle de stockage, c'est la pièce. Oui, ok. Ensuite, retourner dans la salle de stockage des pièces. Alors, le stockage des pièces, c'était où déjà? Stockage des pièces, je sais plus où c'est que c'est. Pourquoi que le jeu ne répond plus? Ah oui. Non, mais non, mais non. De toute façon, après ici, bon, il n'y a plus rien en fait. Parce qu'après là, c'est pour aller ici, mais il nous faut le truc niveau A là, qu'on n'a pas. Mais il n'y a que ça dans cette pièce? Bon, bah, s'ils veulent. Bon, maintenant, faut trouver la salle bizarre là. Donc, on va courir. Non mais qu'est-ce que... Mais n'importe quoi, non mais vas-y, là le spam de bâtard. Je vais crever. Stockage des pièces, voilà, on y est. Pas de panique. Je vais voir si ce que j'ai de la santé sur moi. C'est de la santé ça? Non, pas du tout. J'ai rien, j'ai pas de santé, non. Putain, mais... C'est tellement énervant ça. Donc là, une fois qu'on est là, alors qu'est-ce qu'il y avait à faire déjà? Salle de test, salle de stockage des pièces et utiliser la DDK pour ouvrir la porte. La porte? Non, ça c'est la clé puce niveau 1, c'est pas ça. Et voilà, il manque la DDK input. J'ai que la code. Donc, il y a un problème quelque part. Donc après, qu'est-ce qu'il y avait à dire? Alors. Admettons. Non, en fait, non. Putain, mais ce jeu, mais c'est du n'importe quoi avec ses... Avec ses cartes mémoire là, putain, il nous donne pas d'objectif, on sait pas trop. Bon, allez, faut trouver des trucs.
Ici, il n'y a pas des trucs qui manquent. T'as dû le louper, je vais regarder où peut-être. C'est bizarre, mais c'est bizarre, parce que pourtant j'ai tout suivi jusqu'à la lettre, ce que tu m'avais dit jusqu'à là, quoi, et... Je vois pas où je l'aurais pu le louper, quoi. Réceptacle de plus clé, bah ça je crois que c'était bon ça. Oui bah oui, ça en avait fait l'énigme si je me souviens bien. Ouais voilà, ça j'ai plus besoin de m'en servir. Alors. C'était quoi ça déjà? Oui je vais les lire mais je vais pas les lire vraiment à haute voix. Ouais. Ah oui ok d'accord, oui mon cul. Rien d'inhabituel. Oh. Mais elle a rien sur elle, c'est bizarre qu'on puisse pas la fouiller quoi, non. Elle s'est fait écraser la gorge, oui. On met n'importe quoi. Écran de surveillance des entrées dans le secteur du Dr. Kirk fait partie de la liste. Mmh. Par contre, moi ce qui m'emmerde, c'est que j'ai plus de santé quoi. On va essayer de se récupérer de la santé. Sauvegarder, ouais, allez, on s'en fout. Alors, le DTKD input se trouve sur un cadavre dans la zone où tu as vu le T-Rex mourir comme une queue. Ah ouais! Près du fameux rideau de fer. Ah mais oui, mais pourquoi? Alors ça, je comprends pas. Ça, on l'avait récupéré, j'en suis sûr et certain de ça. On l'avait fait hier. Bon, bah, on va y retourner. Putain, c'est loin! C'est tellement loin. Là, si je monte là, ça m'emmène où déjà? Ah oui, non, en fait, ça m'emmène en arrière. Putain, pourquoi elle a pas appuyé? J'étais pas en face. Oh, il va trop vite, il va trop vite, il va trop vite. Non! Connard. D'où il sort le deuxième, c'est n'importe quoi ça. C'est encore un faux raccord à la Hostel 2. Pour tous ceux qui ont vu Hostel 2, le film d'horreur, il y a eu un gros problème. Alors je sais pas en fait si c'était dû à ma version que j'avais eu à l'époque. Parce qu'en fait, il me semblait que j'avais eu le film avant sa sortie au cinéma. Et en fait, il y a eu un problème. À un moment, il y a comment vous dire, il y a une scène où il y a un mec qui va dans un ascenseur et il y a un chien qui le poursuit. Donc le premier, déjà le mec qui rentre dans l'ascenseur, une fois que les portes s'ouvrent pour rentrer dans l'ascenseur, il y a un gros fond vert derrière le mec. Donc déjà, il y a un gros problème de post-prod qui a pas été fait. Et on voit le premier chien, enfin le seul chien qu'il y a qui rentre. Donc il rentre dans l'ascenseur, les portes se ferment, le mec se fait bouffer, et là les portes de l'ascenseur s'ouvrent, et là qu'est-ce qu'on voit? Bah on voit deux chiens en train de bouffer le cadavre, alors qu'il y avait que un chien à la base, enfin, c'était très très bizarre. J'avais vu ça, j'ai fait, oulala, il y a des problèmes le jeu. Le film. Pourquoi là il y a plus de dino là? Mais qu'est-ce qu'il fait en train de dormir là lui, mais n'importe quoi. Non mais je sais où c'est, ça se trouve, Mook, pas de soucis, je m'en souviens. Ouais, je pense aussi, Nico.